wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, my double up, flop, vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo. J'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à être actifs sur ma chaîne. Vous êtes très nombreux aussi à lâcher un petit pouce bleu sur chaque vidéo. Et sachez que ça me motive énormément et que ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère vraiment que vous allez continuer. Sachez que lâcher un petit pouce bleu, ça prend juste 2 secondes. Et moi ça me fait vraiment plaisir. Alors on va commencer tout de suite avec cette première vidéo d'information. Cette vidéo d'information va concerner GTA 5 sur téléphone. Alors comme vous le savez, la communauté parle beaucoup de GTA 5 sur Android ou même sur l'Apple Store. Alors je vais vous mettre en garde contre certaines choses. Donc on a déjà vu qu'il y avait une application qui vous permettait de jouer à GTA 5 sur votre téléphone via GTA 5 PC. Mais à l'heure actuelle il n'existe aucune application que Rockstar a créée qui nous permette de jouer à GTA 5 sur notre smartphone. Alors toutes les applications que vous pouvez apercevoir sur le Google Play ou même sur l'Apple Store, sachez que c'est des fakes. Alors vous allez me dire que c'est tout à fait normal, que vous savez que c'est des fakes, etc. Mais il faut que je vous mette en garde contre certaines petites choses, car d'après le magazine Daily Star, beaucoup d'applications concernant Grand Theft Auto 5 concernent des virus et des cyberattaques qui tout simplement s'implantent dans votre téléphone et prennent toutes les informations qu'ils peuvent y avoir, photos, adresses, numéro de téléphone, informations, carte bancaire, etc. Alors qu'au final, vous ne vouliez juste télécharger GTA 5 et quand vous regardez la description du jeu ou de l'application, on peut vous faire croire que GTA 5 est jouable sur smartphone et que c'est la vraie application. Alors je vais vous donner une petite information pour ne pas vous faire avoir. Déjà, quand vous allez télécharger l'application concernée, regardez bien que l'éditeur en question c'est bien Rockstar Game. Sachez que quand GTA 5, si jamais GTA 5 sort sur smartphone, il sera payant. Alors si vous pouvez apercevoir une application gratuite ou même une application payante qui n'a pas été créée par Rockstar Game, sachez que c'est du fake et qu'il ne faut surtout pas la télécharger. En plus, je vais vous mettre un lien dans la description vous ramenant vers la page Rockstar Game de Google Play. Comme ça vous pourrez voir toutes les applications qui ont été créées et validées par Rockstar Game. Comme ça vous allez surtout pas vous faire avoir. Donc il y a généralement les jeux Liberty City, San Andreas, Vice City, Chinatown, Max Payne ou GTA 3, l'application eFruit qui est gratuite pour GTA 5, et une application Grand Theft Auto 5 qui nous permet d'avoir une map interactive et qu'on puisse jouer rapidement sur la map, etc. Mais pas une application qui nous permette de jouer à GTA 5. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. Faites surtout très attention à vous et ne téléchargez pas n'importe quoi sur votre smartphone. Attention aux petits virus qui peuvent y avoir sur chaque application. Là je parle principalement de GTA 5 car c'est mon domaine, mais il y a plein d'autres applications de ce genre là donc faites attention d'où viennent les applications, par qui elles sont publiées, et surtout regardez les avis qu'il y a dans l'espace commentaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.